suis en direct. Tu comprends pas? Il va où? Il commence par où? Il commence par là. Je vais pas rentrer là-bas. Qu'est-ce qu'on fait ici? Là, on est dans la gorge. Là-bas, c'est une école aussi. C'est quoi aussi le non, non, on descend là-bas et puis ils vont ici. Ah, bienvenue. On dit qu'il descend là-bas puis il vient par ici. Il va venir par ici. Ici. Je crois. La salle vient aménager, c'est ici. Je pense. Madame a un peu de madame quand même a un peu de t'es pas de bien. Okay. De bien, complications. La tenue de la Gombe, rentrée scolaire. À côté. Mais comment la salle de classe les attend? Là-bas c'est quoi? On n'a pas le choix, on essaye. Là tu n'entres plus. Pardon? Donc là-bas c'est l'administration. Le président va entrer. Il est venu, comme vous le savez, faire la ronde. De l'effectivité, se rendre compte de la rentrée des classes après la mesure de l'état d'urgence, après la levée de la mesure de l'état d'urgence. Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'ils disent ? Allez, on va essayer de voir la ronde. Bienvenue. Non, c'est Simba qui est là. C'est là. Non, ça direct Simba. Qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est bon. À on y va? Bienvenue, il faut sortir par là. Ah, Abima, Abima. Oui, Abimi, c'est bon. Abimi. Merci. Merci, chef, pardon. Pardon, chef, c'est bon, c'est bon. Pardon, chef. Ça, c'est des désordres, il faut aller voir ça. Pardon, chef. Merci. Non, 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 pardon.
Tout se passera bien parce que nous allons y veiller, ça est en guide. En revanche, ce que nous allons vous demander, c'est de faire attention par rapport à la maladie du coronavirus. C'est vrai que nous avons levé l'état d'urgence, mais la maladie, le virus n'a pas disparu. Il est toujours là, il est dans l'air, il est avec nous. Et nous sommes nous-mêmes porteurs de ce virus. Donc le véhicule, vous êtes des jeunes, les analyses ont démontré que les jeunes sont plus résistants que les personnes âgées. Mais attention, ils peuvent être porteurs de ce virus. Et donc, à cause de cela, vos parents ou vos grands-parents peuvent être contaminés. C'est pour ça que nous vous demandons d'observer l'extrême prudence. Vous avez des masques, je suis heureux de vous voir avec les masques, ça doit continuer tous les jours où vous serez ici à l'école. Évitez les contacts manuels et veillez à vous laver toujours les mains quand il y a eu des contacts. Faites tout pour ne pas propager la maladie entre vous parce que vous risquerez à ce moment-là de la ramener à la maison, et à la maison, vous connaissez les personnes âgées, elles ont des petits ennuis de santé, et lorsque ce virus arrive chez quelqu'un qui a déjà quelques antécédents de santé, ça devient dangereux, ça met sa vie en péril. Voilà pourquoi je compte sur vous pour que tout se passe normalement. Concentrez-vous sur vos études. Nous nous occupons du reste. D'accord ? Voilà. Je vous souhaite une bonne fin d'année parce que je sais que début septembre, la grande épreuve arrive. Fin août, je crois que c'est de la dissertation. Donc, soyez concentrés sur ce que vous allez faire, ce qui arrive, et tout se passera bien. Moi, je vous souhaite une très bonne chance. Que Dieu vous bénisse, attachez-vous à lui et vous verrez que tout va aller. D'accord ? Dieu nous a déjà bénis, en tout cas notre pays. Nous n'avons pas connu les catastrophes que vous avez suivies sur d'autres continents. C'est déjà la preuve
qu'il aime notre peuple, qu'il aime notre pays. Parce que si cette maladie était arrivée ici avec l'ampleur qu'on a vue ailleurs, on aurait eu du mal à faire face à ces difficultés-là, parce que vous connaissez un peu la situation de nos institutions sanitaires. Dieu merci, il nous en a épargné. Je crois que c'était pour que ce Congo se relève. Et le Congo se relèvera par vous, l'avenir. Vous, la jeunesse d'aujourd'hui, qui êtes l'avenir de demain. Donc nous avons intérêt à vous mettre dans de bonnes conditions pour que vous repreniez le flambeau demain, pour que ce grand Congo redevienne ce qu'il a toujours été, une puissance au cœur de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse et bonne journée. Merci. Que tout se trouve. Madame, mademoiselle, regarde, c'est comme si tu attends le message. C'est réconfortant d'entendre le président de la République. Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu de son message, de son adresse? On doit juste se concentrer aux études, se préparer pour les épreuves. Comment faites-vous? On doit porter les masques, se laver les mains tout le temps, respecter les barrières, c'est tout ce que je veux dire. Merci. Oui, papa. C'est comme par lobby, à ta ministre, à lobby, n'a pas fait ça. Quand si ton money, 800 millions et yé. Ton lobby, hé! Ministre, à sa politique. Par coco, c'est une source, pas un ministre, à l'éconsorté. Par coco, ça y est. Et c'est une année, toi y a mis ça y est, tu sollicites. Tu sais une démission, il y a directeur, chef de service, il y a ce cop. Tu sais une enquête. Zambapa Morabi non a gouvernement na yo. Olobi, pas à l'enquête et pas y a au conseil gouvernement. Tout le monde va valider contre Andy Wana.
Tolling I to sala marsh. Tolobi tegena ilongi isate. Bongo tozong. Toyebisabala kiss. Kemo konza lobi boy. Yango tozako senga na yo. Poyo netatana bango. Pardon à la indépendante. Nabi soba enseignant nakati. Ok. Bolingi. Forme nini, il y a banqueteur, on le bien. Banqueteur indépendant. Oui, c'est-à-dire banane. Bolingi nani a yango. Bolingi, yo gouvernement, on le kabatou na yo. Ok. Biso, toya. Ok. Bino pe banseigna. Banseigna. Est-ce que Bozan va représentant Nabino? Nga inde représentant na bango nyonso. Ok, bon, bonsoir.